place et de légende, juste pour finir correctement et dire au revoir correctement. Donc voilà, mes caméras sont prêtes, je suis super content, je vous le montre parce qu'en fait je partage, je suis vraiment content de quitter Paris là. J'ai passé quelques mois difficiles dans cet enfer. Et si tout va bien, voilà, je vous raconterai ce que je vais faire du côté de là-bas. Voilà, donc je salue tout le monde. J'ai eu des retours un peu du sud de personnes qui me sont très proches et qui me disaient que lui, ce qui sondait autour de lui, c'est quelqu'un qui est un peu dans tous les milieux, toutes les cultures, etc. Qui est français de souche. Bref. Et qui me disait que ce que les gens disaient, en fait, c'est que tous, ils avaient des initiatives. C'est-à-dire que tous disaient, bah, moi, je vais faire ça, moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça. Occupez-vous de votre cul, les gars. Parce que demain, si vous voulez pas avoir à tirer sur l'autre, effectivement, ou à avoir une hantise de l'autre, préparez-vous un minimum. Alors, je dis pas de le faire à la survivaliste. Voilà, j'ai écrit des trucs sur les survivalistes dans l'unité, je vous dirai ce que j'en pense. Pour moi, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire, quoi qu'il arrive, vu la constitution de l'univers. C'est pas une question de jugement, c'est pas une question ils ont tort, ils ont pas tort, ils font ce qu'ils ont à faire, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais je pense pas que ça soit, l'idée la plus géniale voilà, du siècle. Bref, se terrer dans un trou, c'est jamais une idée géniale, et même en termes de sécurité, c'est pas une idée géniale. Quand t'as des hordes de connards qui déambulent de partout, t'as beau avoir 4 kalachnikovs, si t'es tout seul avec ta famille et que les gens ils savent que t'as à bouffer, mon frère, tu vas avoir mal au cul. Hein, tu vas en buter 50, mais au bout d'un moment, tu vas te faire défoncer. Donc moi je pense pas que ce soit ça, je pense que l'homme il est nomade. Il est mobile et que la sécurité dans ces cas-là, c'est la mobilité. Bref. Donc, et la foi. Il n'y a que ça, mon frère. La mobilité et la foi. Parce que tu peux pas marcher si t'es pas léger, quoi. Tu vois, si t'es encombré de kilos, de conneries, tu vois, tu peux pas. Donc, c'est la foi, tu vois. C'est chaque jour, suffit sa peine. Bref. Et vous allez revenir aux vraies valeurs. Donc, je vous salue bien. J'espère que les gens voilà, vont faire l'effort de réfléchir par eux-mêmes, d'essayer de récupérer leur pouvoir, d'y croire, de ressentir leur corps, des choses simples, bordel de merde, se reconnecter avec leur cœur et leur intuition. Et leur intuition voilà, va vous dire donc à suivre. À suivre, les gars. Que la paix et la clairvoyance soient sur vous. Salam, shalom. Bonne soirée à tous et toutes. Ciao, ciao. God bless.